L'association caritative Les Alliés du Christ a organisé un dîner de charité dans la commune de Commancy. Le dîner était placé sous le thème Qui sauve un enfant, sauve une vie, qui sauve une vie, sauve le monde. L'objectif était de récolter des fonds afin de prendre en charge la scolarité de plus de 200 élèves, nous commente Michel Brou. Ils sont catholiques, musulmans, évangéliques ou d'autres confessions religieuses. Ils sont regroupés au sein d'une association, les Alliés du Christ. Ils ont décidé de soutenir les familles en détresse, d'où l'organisation d'un gala de charité pour recueillir des fonds. L'objectif de la création des Alliés du Christ est d'apporter une contribution aux enfants qui sont dans la précarité, qui n'arrivent pas à aller à l'école, et aussi aux familles démunies. Nous avons pu, grâce à Dieu, mettre en place cette association. L'objectif, c'est d'apporter une contribution aux enfants qui sont dans la précarité, les aider à retrouver l'école. Voilà succinctement la vision de notre association, les Alliés du Christ. Selon le président, le monde de demain appartient aux enfants. Et quand un enfant est instruit, quand un enfant est sauvé de la délinquance, c'est un leader conforme pour demain. Il se trouve que les parents n'ont pas de moyens. Comme l'a dit mon fils bien-aimé tout à l'heure, souvent juste pour 500, les enfants ne vont pas à l'école. Donc on a essayé de rassembler autour de nous nos frères, nos fils spirituels et nos amis. Et on a mis sur pied cette association en vue de venir en aide aux familles en difficulté. À ce gala de bienfaisance, plusieurs donateurs sont venus contribuer à sa réussite. Choisir les enfants, c'est choisir la société. C'est choisir bâtir une société équitable. C'est choisir une société qui serait à l'image de ce que nous souhaitons à partir de l'école. L'association Les Alliés du Christ a été créée en 2021. Elle veut contribuer à l'épanouissement des enfants. En 2022, elle a organisé son premier dîner gala et soutenu 250 élèves. Pour l'année académique 2023-2024, les Alliés du Christ comptent soutenir 500 élèves.